Bonjour, bienvenue à la formation gestion financière du programme Leader et décisionnel version abrégée. Je m'appelle France Tremblay, je suis CPA depuis 30 ans et j'ai également une maîtrise en gestion des TI de l'Université Laval. Je travaille présentement chez IA Groupe Financier comme architecte d'affaires pour le département de comptabilité. La matière du cours est divisée en deux blocs. Dans le premier bloc, je vais couvrir les notions comptables et financières. Je vais couvrir également les composantes des états financiers et je vais couvrir les ratios financiers. Comme dit l'expression, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, on dit pourquoi qu'on fait cette expression-là? C'est sûr que l'argent, ça permet vraiment une capacité d'action. C'est l'argent qui permet de réaliser les objectifs que s'est donné l'organisme pour atteindre sa mission. C'est vraiment une partie qui est importante. Même les organismes à but non lucratif et les fondations philanthropiques ont besoin d'argent pour réaliser leur mission. Donc, c'est pour ça que c'est important de maîtriser les concepts comptables et financiers qui sont relatifs aux états financiers et aux rapports annuels aussi. La comptabilité, ça peut sembler un sujet qui est complexe à première vue parce qu'il y a beaucoup de notions quand même financières et beaucoup de concepts. Mais en même temps, on n'est pas obligé d'être des experts de la comptabilité puis de la finance pour être capable de prendre des décisions éclairées comme administratrice. On peut faire appel aussi à des experts. Dans le cas des sujets très spécifiques, on peut faire appel à des experts externes pour nous aider dans la prise de décision. Mais ultimement, c'est les administratrices qui sont responsables de leurs décisions et qui sont imputables aussi des décisions qui vont être prises au niveau du conseil d'administration. En réalité, vous devez maîtriser un peu les concepts financiers comme pour vos finances personnelles, ce qui est important à la maison parce que vous prenez quotidiennement des décisions financières également. L'organisme s'est doté d'une mission, d'une stratégie. Et pour réaliser cette mission-là, elle s'établit des objectifs qu'elle désire réaliser. De ces objectifs-là vont découler des activités qu'elle va organiser tout au long de l'année. Puis, ces activités-là qu'elle organise vont générer des transactions comptables, des transactions financières. Ces transactions-là doivent être enregistrées dans un système, soit un système informatisé ou un système manuel, et elles vont servir à produire des états financiers et des rapports aussi financiers qui vont être utiles pour les utilisateurs. Comme exemple de transactions financières qu'il pourrait avoir dans une entreprise, dans un organisme, ça peut être la réception d'une subvention qu'on a reçue. La réception et la comptabilisation de cette subvention-là. Il peut avoir également l'encaissement d'un compte client, donc qu'on a reçu comme revenu. On peut aussi contracter une dette bancaire, un emprunt bancaire qu'on a besoin pour financer des activités. Il y a également l'acquisition d'ordinateurs qu'on a besoin, et toutes sortes de matériel informatique qui peuvent être nécessaires aussi au déroulement des activités de l'organisme. On verse bien entendu des salaires quand on a des employés et également on peut rembourser un emprunt bancaire qu'on a contracté. Donc, ce sont tous des exemples de transactions qu'on doit enregistrer pour produire des états financiers et divulguer à nos utilisateurs internes et externes. La gestion financière a un vocabulaire propre qui est nécessaire de comprendre pour être capable de prendre des décisions éclairées puis d'analyser les états financiers. Premièrement, il y a la notion de comptabilité versus la notion de finance qui souvent apporte un petit peu de confusion. Quand on parle de comptabilité, on parle d'un système d'organisation des données. Ce système-là peut être automatisé ou peut être manuel aussi, donc ça c'est possible. Les états financiers aussi, la comptabilité est faite pour bâtir les états financiers selon des normes comptables qui sont déterminées et qui s'appliquent à des organismes spécifiques. Il y a différents types de normes comptables. Il y a des normes internationales, mais il y a également des normes qui s'appliquent à d'autres types d'entreprises et il y a des normes qui s'appliquent aussi à des organismes à but non lucratif.
En réalité, le rôle de l'administratrice, c'est pas nécessairement de comprendre en détail ces normes-là, mais c'est de savoir lesquelles s'appliquent à l'état financier. C'est plutôt le rôle de l'expert comptable, quand il va faire sa mission pour vérifier la plausibilité des états financiers, de comprendre en détail les normes comptables. Quand on parle de finances, on parle plutôt de circulation monétaire d'argent et de toutes les transactions qui font appel plutôt à du cash, comme on dit. Donc ça, c'est vraiment plus la partie finance. Il y a deux autres concepts qui est important aussi de comprendre, c'est la notion d'information financière puis la notion de décision financière. Du côté des informations financières, c'est vraiment la matière première qui va être utilisée pour prendre des décisions financières. Donc, les deux sont intimement reliés. Un s'appuie sur l'autre pour prendre des décisions financières. Il y a également deux autres concepts qui sont importants de comprendre. Il y a la notion d'état financier et il y a la notion de budget. Quand on parle d'état financier, on parle d'infos qui sont historiques. C'est des infos passées, des transactions, comme on expliquait tantôt, qui ont eu lieu et pour lesquelles on les a enregistrées et on les présente dans un état financier. Les états financiers sont utiles aux utilisateurs. Il peut y avoir des utilisateurs internes et les gestionnaires de l'entreprise, les membres de l'entreprise, ou il peut y avoir également des utilisateurs externes qui sont les bailleurs de fonds ou encore d'autres utilisateurs. Dans ce cas-là. Les états financiers servent à comparer pour l'organisme les résultats avec l'année passée. Ça sert de vraiment de vérifier la performance par rapport à une année passée ou également on peut comparer les états financiers de notre organisme avec un autre état financier d'un autre organisme pour vérifier vraiment comment on se compare. Quand on parle de budget, on parle plutôt d'information qui est prospective, donc d'information future. Le budget, c'est en réalité un outil de gestion qu'on utilise pour planifier nos produits et nos charges futures et pour bien allouer les ressources de façon judicieuse. Le budget est bien souvent, malheureusement, négligé. Bon, on le fait rapidement, puis on ne le suit plus, on le met sur les tablettes, mais c'est quand même un outil qui est extrêmement important. Et c'est un outil qui est utilisé pour faire un contrôle. Puis souvent, il prend tout son sens quand on analyse le budget versus les résultats réels. Et c'est là qu'on peut redresser des prévisions qu'on a faites et de s'ajuster et de s'assurer de mieux contrôler nos produits et nos charges. L'état financier et le budget sont deux rapports qui sont approuvés par le conseil d'administration. Comme on a parlé précédemment, on a des transactions qui sont enregistrées. Ces transactions-là sont reflétées dans les états financiers et servent à prendre des décisions. Quand on présente l'information financière, il y a quatre concepts, quatre caractéristiques de l'information financière qui est importante. On parle de pertinence de l'information financière, de fiabilité de l'information financière, de attente au moment opportun et on parle de complet. Au niveau de la pertinence, donc, c'est vraiment que l'information qu'on utilise s'applique à la décision qu'on souhaite prendre. Donc, l'information qu'on regarde est pertinente en lien avec la décision. Quand on parle de fiabilité, on dit qu'on peut se fier à l'information qu'on consulte, on peut se fier à l'information qui est dans l'état financier. Donc, c'est une source qui est fiable et on peut utiliser cette information-là pour prendre des décisions. Quand on parle d'attente, c'est parce que l'information financière, elle arrive au bon moment. Quand on regarde un état financier et qu'on doit prendre une décision, on ne veut pas recevoir l'état financier deux mois plus tard au moment qu'on a à prendre la décision. Donc ça, c'est vraiment important. Et quand on parle de complète, on veut que l'état financier et les rapports financiers reflètent toutes les transactions de la période en question pour prendre une décision. S'il manque de l'information dans l'état financier ou dans le rapport, bien, peut-être que la décision qu'on aurait prise aurait été différente dans ce cas-là. Il y a quelques exemples, en réalité, de décisions qu'on peut prendre au niveau soit de l'organisme ou au niveau du conseil d'administration. Quand on regarde pour l'organisme, on peut se demander est-ce qu'on embauche du personnel ou on fait plutôt appel à des bénévoles. On a aussi la décision qu'on peut louer ou acheter un actif,
Donc ça, ça peut être une décision que l'organisme prend aussi. Quand on regarde dans un CA les administratrices, ils pourraient être appelés à prendre une décision sur le budget à allouer sur une campagne de financement spécifiquement ou sur une activité. Il y a également une décision qui peut être prise au niveau du programme de financement selon la nature des activités et de choisir le meilleur programme de financement qui est applicable dans ce cas-là. Les états financiers sont composés de 5 parties et ça, c'est très standard. C'est selon les normes comptables que j'ai expliquées. C'est vraiment toujours les 5 mêmes parties. En réalité, les états financiers sont une photo à une date donnée pour certains états et pour d'autres états, couvrent plutôt une période donnée. Bien souvent, c'est une période de 12 mois, donc c'est vraiment une année complète, qui n'est pas nécessairement l'année civile, qui est un exercice financier qui est choisi par l'organisme. Donc, c'est vraiment soit une photo ou une période donnée. On a le premier état qui est l'état de la situation financière. Cet état-là présente en réalité la situation financière de l'organisme et son patrimoine à une date donnée. On a l'actif, le passif dans l'état de la situation financière. L'autre état qu'on a, c'est l'état des résultats. L'état des résultats présente la rentabilité de l'organisme sur une période de 12 mois. On a les produits et les charges dans cet état-là. On a également l'état d'évolution de l'actif net, qui est un état aussi qui présente l'actif net par catégorie affecté et non affecté des actifs aussi. On a un quatrième état qui est l'état des flux de trésorerie. Cet état-là présente plutôt les mouvements de liquidité qui sont survenus dans les 12 derniers mois. Et finalement, on a les notes aux états financiers. Les notes aux états financiers, c'est de l'information très détaillée qui vient apporter un petit peu plus de détails aux chiffres qui sont présentés dans les états, les 4 états que j'ai présentés, et qui apporte également d'autres informations comme sur le statut de l'organisme, les conventions comptables et toute autre information pertinente qui pourrait être utile aux utilisateurs. Les deux états qui sont le plus utilisés vraiment pour fin d'analyse et de prise de décision sont l'état des résultats et l'état de la situation financière ou appelé bilan aussi. Du côté de l'état des résultats, on a 3 catégories dans l'état des résultats. On a les produits financiers, on a les charges financières et le résultat des produits moins les charges donne l'excédent ou encore l'insuffisance pour la période donnée. On a l'état qui est le bilan ou l'état de la situation financière, lui présente l'actif qui est détenu par l'organisme, les passifs qui sont dus par l'organisme et le net des deux actifs moins passifs va donner l'actif net que possède réellement l'organisme. Les deux autres états que j'ai mentionnés tantôt, qui sont l'état d'évolution de l'actif net et l'état des flux de trésorerie, sont deux états qui sont aussi importants, mais qui sont moins utilisés généralement pour fin de prise de décision dans les organismes de plus petit ou de moyenne envergure. Finalement, il y a les notes aux états financiers qui sont extrêmement utiles pour mieux comprendre les montants de l'état des résultats et du bilan. Et bien souvent, j'encourage fortement les gens à les lire en détail quand même parce qu'il y a beaucoup d'informations pertinentes. Il y a d'autres notions qui sont importantes de comprendre pour fin d'état financier. En réalité, il y a la fréquence à laquelle sont produits les états financiers. Au minimum, l'organisme doit produire ses états financiers de façon annuelle. Elle peut choisir toutefois d'y produire plus fréquemment pour fin de gestion si elle en a besoin à chaque mois ou à chaque trimestre. L'organisme doit également déterminer la fin d'exercice. Il doit choisir sa fin d'exercice. C'est pas obligé d'être du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Ça peut être une période de 12 mois qui est différente. Habituellement, l'organisme choisit la fin d'un cycle d'activité. Par exemple, pour un canjo, on pourrait choisir à la fin du mois d'août où toutes les activités de l'été ont été complétées. Plusieurs organismes choisissent le 31 mars parce que, comme bailleurs de fonds, ils ont le gouvernement pour des subventions et le gouvernement termine son cycle financier au 31 mars.
mais ça peut être indépendant aussi des bailleurs de fonds. L'autre élément qui est important de comprendre, c'est le rapport des experts comptables. L'expert comptable va donner une opinion sur les états financiers qu'on lui présente suite à la mission qu'on lui a confiée. C'est un choix annuel que l'expert comptable, la firme d'expert comptable qui est choisie. Donc, c'est les membres du CA qui doivent voter pour choisir et renouveler le mandat de l'expert comptable. C'est important que l'expert comptable, la firme choisie, soit indépendante pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. C'est des bonnes pratiques d'éthique, tout simplement. Il y a différents types de missions qu'on peut confier à la firme d'experts comptables et ça dépend toujours du niveau de profondeur et de fiabilité qu'on veut pour les états financiers. Il y a la mission d'audit qui est la mission la plus détaillée qui nécessite plus de travail des experts comptables. Il y a la mission d'examen et il y a finalement l'avis au lecteur. Finalement, il y a le rapport annuel. Le rapport annuel, c'est un document qu'on prépare de façon annuelle qui est destiné aux membres ou aux bailleurs de fonds. C'est un document qui présente de l'information quantitative, mais également qualitative, et qui permet, qui est vraiment un outil de communication avec les membres et un document parfois marketing pour qu'on aide aussi l'organisme à avoir plus de visibilité. Ça contient de l'information qui est historique et ça contient de l'information qui est également prospective. Il y a trois parties qui se partagent la responsabilité de l'information financière et de l'état financier. Dans un premier temps, il y a la direction. La direction a la responsabilité de préparer l'information financière, les états financiers, et de les soumettre à l'expert comptable. C'est la direction qui est responsable de l'exactitude des états financiers. On a également les experts comptables. Leur rôle, c'est vraiment de réaliser les analyses et la mission qu'on leur a confiée. Donc, eux émettent, suite à ce travail-là, une opinion sur la fiabilité des états financiers selon les normes comptables et selon des normes professionnelles pour lesquelles ils doivent respecter ces normes-là. Finalement, on a le conseil d'administration qui a la responsabilité d'approuver les états financiers en se basant sur l'opinion que les experts comptables ont donnée sur l'état financier. En réalité, ces trois parties-là s'appuient un sur l'autre pour prendre leurs décisions. Ils ont vraiment un rôle qui est différent toutefois pour les trois parties. Un des concepts qui est important aussi de comprendre, c'est les ratios financiers. Les ratios financiers, c'est vraiment un rapport entre deux données financières. On peut avoir entre autres l'actif à court terme sur le passif à court terme, qui est le ratio de fonds de roulement. Les ratios financiers sont utilisés par les bailleurs de fonds bien souvent pour évaluer les risques et les performances de l'entreprise. Ils regardent vraiment l'organisme, comment a été la rentabilité ou les liquidités, la gestion des liquidités. Les ratios financiers sont utilisés pour comparer deux périodes, deux exercices entre elles, ou encore, on peut comparer les résultats avec les prévisions financières qu'on avait faites, ou encore, on utilise les ratios financiers pour se comparer avec d'autres organismes du même secteur. Il y a différentes catégories de ratios financiers. Les plus importants sont les ratios de liquidité, les ratios d'efficience, les ratios de rentabilité et les ratios de levée financière. Tous ces ratios financiers-là sont largement disponibles sur Internet, sur les sites des institutions financières. Les formules sont disponibles, on explique bien les ratios financiers. Donc, je vous invite à consulter les sites Internet des institutions financières pour aller voir, en apprendre un peu plus sur les ratios financiers. Un des éléments qui est important au niveau des ratios financiers, c'est si le bailleur de fonds exige que l'organisme respecte des ratios financiers. C'est important d'évaluer tout au long de l'année, tout au long de l'exercice, ces ratios-là pour ne pas avoir la surprise au moment de l'état financier, de réaliser qu'on n'a pas respecté les ratios financiers que le bailleur de fonds nous demandait de respecter et là, d'avoir peut-être des surprises qu'on n'avait pas prévues du tout.
Ceci complète le premier bloc de la formation où on couvrait davantage des notions théoriques. En résumé, c'est pas nécessaire d'être un expert en comptabilité puis en finance pour prendre des décisions financières éclairées. C'est toutefois important d'avoir une compréhension de base pour prendre des décisions éclairées puis pour allouer les ressources financières de l'organisme de façon judicieuse et adéquate parce que les ressources financières ne sont pas illimitées. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous invite à écouter le deuxième bloc de la formation gestion financière où j'analyserai plus en détail un état financier et un rapport annuel. On discutera également des questions à poser comme administratrice et finalement, je couvrirai d'autres éléments pertinents.